Et salut tout le monde, c'est Maximoz et aujourd'hui on se retrouve sur mon serveur de build. Et aujourd'hui les amis, je vais vous montrer ma propre construction. Et oui, j'ai l'habitude de présenter les constructions des abonnés quand je vais sur le serveur, mais là c'est ma propre construction. Regardez ça les amis, je vais vous présenter un cinéma. Alors comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes. Une vue est égale à un like. Et si on peut faire péter les 1000 likes, genre arriver aux 1000 likes, ce serait juste énorme les gars. Ça serait juste énorme, j'ai taffé de ouf sur ce cinéma. Je sais pas si ça se voit, mais franchement, vous allez voir, j'ai fait un truc énorme. Donc déjà, on va commencer la visite par le parking. Donc j'ai fait une route avec des arbres tranquillou lilou, voilà, comme ça tu rentres, tiens, un petit panneau comme ça. J'ai fait des lampadaires, bon j'en ai peut-être fait un peu trop avec plein de voitures, j'ai essayé de faire les mêmes et tout. Donc j'ai mis le Hawk Cinema avec mon logo, voilà, on l'avait trouvé en live. Donc c'est un cinéma que j'ai build en live et que là j'ai passé environ une heure à finir les détails. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc le cinéma est assez grand, il comporte deux salles. Donc là il y a une salle, là il y a la deuxième salle et là il y a l'entrée avec plein de trucs. Il y aura les salles de projection à voir, la salle du staff, les toilettes si vous voulez, il y a plein de trucs à voir. Donc regardez ça. Là, donc j'ai fait le toit je me suis pas foulé, l'arrière non plus. Le toit j'ai mis des panneaux solaires, des trucs un peu à droite à gauche, des aérations, c'est juste histoire de meubler quoi, c'est histoire de pas laisser ça vide. Donc au cinéma en grand avec mon logo, on voit marqué un truc ici, entrée, c'est vraiment magnifique. Là il y a des petits piliers pour pas pouvoir passer. Et là il y a les grandes affiches des cinémas, j'ai improvisé ça un peu à l'arrache. Voilà, je me suis dit bon, je vais mettre un peu des couleurs un peu n'importe comment. Quand on rentre, on a plusieurs entrées. Regardez ça les amis, on peut rentrer dans le cinéma. J'ai fait plein de trucs. Déjà j'ai mis les sorties de secours, j'ai mis à bientôt. Avec les caméras de surveillance, il y en a un petit peu partout. Des poubelles, voilà, j'ai mis des poubelles avec des entrées. Donc là il y a plusieurs caisses, caisse 1, caisse 2, caisse 3. Elles sont bien différenciées avec 3 écrans. Là j'ai pas fait grand chose non plus. J'ai fait des petites lampes, un truc médical, voilà. Donc il y a une souris avec une caisse, un petit écran, etc. pour chaque caisse. Et là il y a les trucs où tu peux vendre ton popcorn. Donc popcorn petit 2,50, popcorn moyen 3,50 et grand popcorn 4,50. Bah oui, parce que on se fait bien ken hein, au cinéma, parce que les popcorns c'est ultra cher. Là popcorn comme ça. Et là on peut acheter des boissons, donc friandises, les bonbons, tout ça. 2,50. Et là canettes, donc regardez, il y a des canettes de coca, là il y a une bouteille d'eau, Fanta, Sprite, Red Bull et Pepsi, voilà, j'ai tout mis. Donc encore les canettes ultra chères hein, vous connaissez les bails. J'ai mis des tapis un peu partout, là des flèches pour rentrer, des flèches pour sortir, des flèches pour rentrer et pour sortir aussi. Là on a les petits canapés pour attendre la séance, voilà, j'ai marqué Hawk Cinema un petit peu partout, avec des canapés assez stylés aussi. Là il y a un distributeur, regardez, distributeur Kinder Bueno, Mars 1,50, Bounty 1€, bon Kinder Bueno 2€ et tout, Skittles, KitKat, il y a vraiment tout. Et bien sûr c'est encore de l'arnaque hein, vous connaissez les bails. Là voilà, c'est plutôt cool. Là il y a les entrées, donc entrée 1 avec un gros 1 et entrée 2 avec un gros 2 avec marqué entrée 2, entrée 1, c'est plutôt cool. On va visiter tout de suite la salle, mais vous allez voir qu'à la fin, oh quoi que non, j'ai envie de vous faire visiter les trucs annexes un petit peu. Donc là WCH pour WC homme, donc on a des miroirs, des lavabos, des toilettes, vous savez les trucs pour pisser et tout, puis des toilettes comme ça, puis des toilettes handicapées ici, ils ont un peu plus de place. Donc j'ai fait très attention de mettre aussi des bons éclairages, parce que là je suis avec un shader. Sans le shader on voit encore mieux, mais là voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Donc les WC des femmes, j'ai fait la même chose à peu près, sauf que j'ai mis plus de toilettes et encore des toilettes handicapées, toujours avec le petit medikit là. Donc voilà. Ah d'ailleurs j'ai mis deux, ok bon c'est plus ou moins ouvert. Là j'ai fait la salle du staff. Alors je m'en suis pas rendu compte, mais je fais une petite connerie, c'est de faire ça là, donc je vais casser tout de suite. C'était pour ajouter de la lumière de l'autre côté, mais bon ça rendait pas trop cool. Donc là voilà, salle du staff, il y a quoi? Il y a des tapis avec des endroits pour se changer, c'était un abonné qui m'avait donné ça. Donc des vestiaires et tout, des casiers, là il y a des petits bancs et tout. Ça peut faire des petits coussins, là ça fait des serviettes et tout. Donc voilà, j'ai fait ça comme ça. Et salle du staff, attention. Là on monte, on a salle 1, salle 2, c'est des salles de projection. Regardez ça les amis, hop. Donc on a des petites flèches, encore les éclairages.
Là j'ai oublié de casser un truc, donc je sais pas à quoi ça ressemble une salle de projection dans la vraie vie, donc j'ai essayé d'inventer. Je me suis dit qu'il y avait une grosse caméra, bon là c'est une caméra un peu à l'ancienne, donc j'ai fait un truc comme ça avec des petits sièges là, un ordinateur, des grosses tours et tout, enfin des gros trucs pour calculer les ordinateurs, et là il y a des petits écrans. Et là regardez, on a des lumières avec des vitres, et là on a, regardez, oh, ça nous met tellement dans une bonne ambiance en vrai, regardez ça avec les jeux de lumière et tout, c'est vraiment magnifique. Donc la salle de projection 1, mais la salle de projection 2 est un peu plus loin pour la deuxième salle. Donc regardez ça, hop, pour faire un peu plus de chemin, on arrive. Donc les caméras, il y a un petit écran, un objectif avec un gros truc et tout. J'ai mis des ordinateurs avec une souris, un gros calculateur, des bancs et des petits ordinateurs. Enfin voilà, j'ai mis des trucs un petit peu partout. Donc voilà, on va passer au dernier truc. Donc j'avais mis des tapis rouges et tout, des éclairages, je savais pas trop quoi mettre. C'est vraiment moi à 100% qui les build. Il y a quelques abonnés qui m'ont aidé aussi. D'ailleurs, on est pas mal de co sur le serve. On est un dimanche, j'avais pas fait de live le matin, c'est plutôt cool. Ils sont tous en train de build. Et là, bon voilà, j'ai pendant 45 minutes, je les ai laissés parler. J'ai pas posté de message parce que regardez, je fais hey, je fais hey, ils vont être tous fous là après. Donc voilà, alors du coup là j'ai fait les petits guichets et tout pour passer avec les tickets, et voilà, on peut rentrer dans la salle 1, la salle 1 est plus grande que la salle 2, vous allez voir. Oxymo c'était breton, bon voilà, tout le monde dit bonjour. Donc là on a toujours le petit medikit, les sorties de secours avec les fameux trucs, les fameux trucs verts et blancs. On rentre, alors là c'est assez sombre, mais regardez, le cinéma est vraiment très bien éclairé avec la salle de projection et les petites lumières qui sont sur le côté. On dirait, oh là là, ça met tellement dans le bon... Je trouve que ça fait vraiment une vraie ambiance quoi. Ça fait vraiment une vraie ambiance de cinéma. Je suis plutôt content. Je suis ultra satisfait de ce que j'ai fait. Là j'ai marqué au cinéma parce que j'ai pas fait grand chose d'autre. Et voilà. J'ai mis les trucs là pour faire des petites lumières sur le sol. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Hop. Il y a quoi d'autre? Il y a la deuxième salle de cinéma qui est un peu plus petite comme je vous l'ai dit, plus petit écran, moins de place, mais il est toujours aussi, enfin c'est toujours aussi bien. Genre quand tu rentres, t'as les éclairages et tout, ça donne tellement un mood, genre excellent. Tu te dis t'es vraiment dans un vrai cinéma. La lumière est très forte ici, il y a une petite lumière ici, et là il y a une lumière qui est projetée et tout. Franchement ça met vraiment dans une belle ambiance. Je sais pas ce que vous en pensez. Bref, en tout cas on a fait le tour de ce cinéma. Il y a pas grand chose d'autre à voir. En tout cas voilà, j'ai fait de mon mieux pour faire le meilleur cinéma possible. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter une note sur 10 accompagnée d'un commentaire positif ou négatif du moment qu'il est constructif. Pensez à liker comme j'ai dit au début de la vidéo. Une vue est égale à un like, c'est super important. Et si on peut dépasser les 1000 likes, ce serait juste génial pour le soutien de la chaîne. Pensez à partager, c'est le plus important. Et bien sûr, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis, c'était Oxymos pour servir. Allez, ciao, ciao.